Bonsoir, voici votre lecture du soir de Lâcher prise en 5 minutes par jour de Cécile Neuville. Prendre son envol. Vous aimeriez parfois prendre votre envol, mais quelque chose vous retient, vous lie, quoi qu'il arrive, à votre famille. Grâce à cette séance, vous allez apprendre à trouver le bon équilibre entre la dépendance affective et la fuite, à évoluer de façon autonome au sein d'une famille tout de même unie. Je vous propose cette méditation positive de la liberté familiale. Nous vous invitons ici à vous offrir une séance de méditation pour vous aider à lâcher prise en posant particulièrement l'intention positive de parvenir à trouver votre espace de liberté au sein de votre famille. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux tout doucement. Prenons trois grandes inspirations. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Concentrez-vous sur votre intention positive du moment. Je peux trouver la liberté au sein de ma famille. Je vais la trouver. Je la trouve. Je la garde. Rappelez-leur que vous les aimez. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas dans le sens d'une personne que ça signifie que vous ne l'aimez plus. Ça peut paraître évident, c'est pourtant souvent ainsi que c'est perçu. Aussi, pensez à rappeler régulièrement aux membres de votre famille que vous les aimez. Le moment venu d'oser leur exprimer un désaccord, vous pourrez lâcher prise sur votre peur de les décevoir ou de mettre de la distance entre vous. À qui pouvez-vous exprimer votre amour au sein de votre famille aujourd'hui? Quelques pas vers la liberté. Vous passez beaucoup de temps avec certaines personnes de votre famille en particulier. Mettez un peu de distance entre vous pour mieux les retrouver ensuite. Offrez-vous par exemple au moins 10 minutes de marche sans personne avec vous. Profitez de ce moment en tête-à-tête avec vous-même pour apprécier votre liberté à chaque nouveau pas, comme si à chacun de ces pas, vous gagniez un peu plus d'autonomie au sein de votre famille. Un petit sevrage dans le plaisir. Vous avez du mal à envisager de passer plus de quelques jours sans aucun contact avec telle ou telle personne de votre famille? Votre dépendance est trop forte et il est temps de lâcher prise, non pas sur cette relation, mais sur cette dépendance. Pour cela, prévenez dès à présent cette personne que vous l'aimez fort et qu'elle ne s'inquiète pas, car vous ne la contacterez pas durant les 3 jours à venir. Expliquez-lui que vous faites un test et que vous la rappellerez juste après pour en parler. Puis, programmez-vous durant ces 3 jours le maximum d'activités amusantes et agréables. Il est temps de passer à l'action. C'est décidé, vous voulez vous sentir libre de dire, faire ou être ce que bon vous semble, et peu importe ce que pense votre famille. Pour vous le prouver, que pourriez-vous faire que vous remettez sans arrêt à plus tard en raison de votre famille? Et quel premier pas dans ce sens pourriez-vous faire immédiatement pour passer à l'action dès maintenant? Vous allez pouvoir à présent vous réveiller. Reprenons 3 grandes inspirations. Inspirez. Expirez. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, étirez-vous le plus possible. Bougez vos mains, vos doigts, vos pieds, vos orteils. Vous pouvez bouger votre tête
de gauche à droite. Vous pouvez à présent ouvrir vos yeux. Votre lecture du soir est à présent terminée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture du soir.